Devant la presse nationale, le président du bureau exécutif de la Fédération congolaise de football s'est félicité de l'accord entre Havas Sport et Vince et Vox TV, officialisant ainsi la diffusion en direct sous peu du championnat national Ligue 1 sur cette chaîne de télévision. Un événement historique qui, selon lui, est un pas important pour la valorisation du football et des talents congolais. La Fédération congolaise de football, par ma voix, est toute heureuse de vous compter parmi nous ici. Vous allez être les grands témoins d'un événement historique qui sera date dans la vie de la FECOFOOT. Le contrat qui va être signé entre Havas Sport et Vox TV va permettre pour la toute première fois à une chaîne de télé, en l'occurrence Vox TV, de retransmettre en direct les matchs des différentes journées du championnat national congolais de football de Ligue 1, disputé à Brazzaville et à Pointe-Noire. Par cette action, notre championnat va à coup sûr être suivi, gagner en popularité, en visibilité et bénéficier d'une forte médiation. Prenant la parole à son tour, le directeur d'Havas Sport Evans a justifié les raisons du choix de Vox TV. Aujourd'hui, je voudrais remercier très chaleureusement Vox TV et M. Véron Mankou pour la détermination qu'ils ont démontrée pour s'inscrire dans le long terme. Parce que c'est très important ce sujet, c'est que ce n'est pas pour du court terme, ils s'engagent dans la durée. Qui dit professionnalisation dit importance de la visibilité du championnat pour deux raisons. La première raison, c'est de le rendre accessible au plus grand nombre de Congolais, qu'ils soient à Brazzaville ou pas, puisque c'est important que ça couvre tout le territoire. Et Vox TV, en l'occurrence, est présent sur les chaînes du Canal+, ce qui nous donne une énorme visibilité, et même, j'ai envie de dire, à l'international. Donc, on n'en est pas encore là. Déjà, faisons la promotion du football congolais au Congo, mais c'est quand même un élément qui est extrêmement important. Et l'autre enjeu de la visibilité du championnat, c'est de pouvoir valoriser les partenaires, les sponsors qui vont rejoindre la Ligue 1 et de valoriser leur engagement avec une plus grande visibilité. Donc c'est pour ça que ces deux sujets sont extrêmement importants et qu'aujourd'hui la portée historique de cet accord est vraiment à souligner. Le président directeur général de Vox TV a pour sa part rassuré les téléspectateurs sur le challenge que ses équipes relèveront à travers les diffusions des matchs en direct. Le foot congolais n'a plus été diffusé à la télé depuis, on m'a dit, 45 ans. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers parce que grâce à ce partenariat, grâce à Havas Sport, grâce à FECOFOOT, grâce à Vox, le foot va revenir régulièrement. Je donne au public congolais, aux sportifs, pour rendez-vous le 31 mars parce que ça sera le premier match qui sera diffusé, AS Othello, Diable Noir. Et ensuite, chaque semaine, on aura un match jusqu'à la fin de la saison. Ce que je peux dire, c'est qu'on espère que le spectacle sera aussi grandiose, mais du point de vue technique, nous sommes sûrs que nous allons assurer. Ce partenariat entre Vox TV et Havas Sport Evans est un pas important dans la volonté de la FECOFOOT à professionnaliser le championnat national Ligue 1.